Allez, ça tout le monde, c'est Tazeric Péracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1048 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on avait évidemment continué, alors je suis désolé, je suis un peu en retard, c'est juste que je regardais un truc. On avait continué notre mode aventure évidemment dans notre chère carte de Termina, donc nous sommes à 72%, bah plus que 28% simplement de cette carte d'aventure. Et du coup, bah, on va. Alors, oh, bah, parfait, il a sorti. Et du coup, bah, je vais acheter le contenu. Niveau de 28, ok, bah, parfait. Alors, du coup, oui, on va pouvoir du coup bah, continuer notre carte de Termina. Donc, nous sommes à 72%, bah, plus que 28%. Et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement bah, terminé cette case dans laquelle on avait obtenu notre réceptacle de cœur avec notre chère Lana. Voilà, donc aujourd'hui, on va pouvoir partir en direction de la prochaine case. Ici, on va devoir y passer deux épisodes, donc dans lequel il y a que deux ce que tu l'adores. Voilà, donc on va y aller. Donc avant toute chose, on est obligé d'actionner l'interrupteur avec notre masque Mojo, notre masque Goron, pardon. L'ennemi est apparu, merci. Et du coup, c'est une... Prenez l'effort, ennemi, avant l'armée tierce de niveau 4. Et on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup des âmes de glace, Sia et Macaon. Et nous avons du coup avec nous des capitaines d'Hyrule. Voilà. Élément lumière, élément ténèbres, hein, d'efficace, donc on va, alors on est dans les terres du crépuscule. Qu'est-ce qu'on peut sélectionner? Qu'est-ce qu'on pourrait sélectionner? On va sélectionner notre cher Midona, hein. Anneau des ombres DX. Ouais, concrètement, je pense que c'est mon magie, il y a quand même la dernière version magique. Ok, ben, let's go. Merci, champ de bataille. Alors, Midona, Lana, des capitaines d'Hyrule. Et en face de nous, nous aurons du coup Sia, des âmes de glace. Et l'armée tierce, il y aura Macaon, des âmes et des preneurs de forts. Voilà, et la liste des forts. Bon, on s'en fout un petit peu vu qu'on n'a pas de récompense là-dedans. Donc, bah écoutez, hein, il ne manquera plus que les deux scutulators. Mais du coup, c'est parti. Donc là, on va essayer de prendre le maximum de forts. Je pense qu'il faut en prendre 6 aussi. Voilà, hop. Tac. On est 6 forts, voilà. On en a déjà pris un. Enfin, on en a qu'un seul, malheureusement. Ok. Ça fait plaisir de contrôler un petit peu notre cher Medna, non? Allez, maintenant, on va aller au sud. On va prendre ce fort-là. On va essayer de prendre le fort du bas. On va essayer de contrôler un peu le centre, hein. Donc, on va contrôler un petit peu le centre. Oh, super, Mandala. Sérieusement. Pire endroit ever, quoi. Surtout l'autre mandala, pire endroit ever. Ok. Allez. Thank you, food. Tech. Eh ben disons, le monde qu'il y a. Tac. Allez, on va vite contrôler le centre. On va jouer intelligemment, vous allez voir. On va jouer intelligemment. Oh. Boss du fort. On va jouer intelligemment parce que là, du coup, s'ils sont là, ça va être complètement problématique après. Voilà, bon, c'est fort. Allez. Allez, s'il te plaît. Merci. Tac. Merci pour le preneur de forme. Ah, il me semble que quand on élimine un preneur de fort, il y a un repreneur de fort. Hein. Donc là, on va prendre le fort qui est en bas. On va essayer de voler le fort avant qu'il le prenne. Alors, ensuite, sur les forts. Donc voilà. Et après, on va remonter directement là-haut. Parfait, c'est bon.
Parfait. On l'a fait. Maintenant, on va éliminer Sia, qui est en haut, dans notre base alliée. Après, on va redescendre. Enfin, on va aller prendre à gauche, on va remonter. Après, on va prendre dans les forts du bas et c'est bon. Hein. Là, le problème, c'est qu'il y a les repreneurs de forts qui vont en bas. Donc, ça peut poser problème. Mais bon, au moins, on va essayer de se démerder comme on peut. Hein. Salut, Sia. Ça, je vous dérange pas aujourd'hui. Je fais le même. Je fais la même palette d'attaque que Lana, mais tant pis. Bon, on la défonce bien, ça qui est bien. Donc voilà. C'est rassurant. Ah ben finalement, je pense qu'on va faire la chose à l'envers. Ouais, on va faire la chose à l'envers. on va reprendre. Aller en bas. Sauver notre fort en bas, parce que le problème c'est que. À mon avis, il y a les repreneurs de fort en bas. Parce que à mon avis, c'est sûr qu'il y a c'est les repreneurs de fort, non? C'est quoi qu'il y a dans... Ah mais non, c'est juste des trucs qui servent à rien. En gros, quand je dis trucs qui servent à rien, vous m'avez compris quoi. C'est juste des... je peux y arriver. Des captains de raid, voilà. C'est ce que je voulais dire. je perdais mes mots. Je perdais mes mots. Voilà, déjà le repreneur de fort. Bon, à mon avis, on va bientôt faire apparaître la scutula d'or. J'espère qu'elle est... elle va apparaître au bon endroit. Qu'elle va pas apparaître à un endroit. What the fuck, quoi. Et voilà, déjà fois perdu, mais c'est pas grave. Eux ils en ont 4, moi j'en ai 5. Donc là, le fort que je vais prendre, ça permettra de compléter un petit peu le truc. Donc normalement, on devrait s'en sortir. Voilà, on devrait y arriver. Parfait. Et du coup là normalement on va pouvoir y arriver. Et là. Donc normalement nous sommes à 6 maintenant. Ouais, nous sommes à 6. Et maintenant il faut quand même faire un petit peu de kill. Allez, on va aller là-haut directement. J'espère que la scutula d'or apparaîtra très proche. Ça m'arrangerait de fou. J'espère qu'elle va pas apparaître à l'opposé. Allez. La personne est venue. Ok. Oh, elle est apparue à l'opposé. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Elle est apparue au pire endroit, hein, je vous le dis. Parce que je sais pas du tout où elle est. L'endroit où elle est apparue, c'est la pire endroit. Donc déjà, c'est à l'opposé. Donc on va essayer de trouver. On va se dire qu'il est dans la petite... dans l'endroit où il faut la gripper avec le grappin. Vous voyez, en fait, il y a un endroit, une accroche pour le grappin. Et il est certainement ce côté-là. Donc on va partir de ce principe que c'est ici. D'accord ? Donc voilà, donc on va directement s'équiper de ça. Allez, dis-moi qu'elle est à l'endroit prévu. Il me semble que c'est à gauche. Ok, on l'entend déjà. Ah, elle est là. C'est certain qu'elle est là. Oui, c'est bon, on a réussi. Vous avez vu qu'est-ce que tu l'adores. Vous avez obtenu un morceau d'illustration et ça, c'est très bien. On est à combien de minutes? On est à 6 minutes. On est donc à la moitié. Donc on va prendre les maximums d'arriver à un moment... ça va être un peu compliqué. Bon, ça va, on a eu peur. Donc, on sait où elle. Peut-être où elle apparaîtra pour la deuxième fois. Urgence. Alors, ça me fait chier. Par contre, qu'il est en urgence. On va y aller. Ouais, parce que là, du coup, on doit avoir le rang A. Hein, je vous rappelle. C'est pas. Pour le moment, ça me fait stresser parce qu'il faut avoir le rang A. Hein. Bah ça me fait stresser, on se comprend, mais on va dire ça, y a ce petit appréhension où tu te dis t'as pas le choix en fait. Allez, vite. Et après on va aller en bas et puis après on va prendre les autres forts et ça sera bon. Allez, viens. Parce que à Geta normalement on va pouvoir... Oh putain.
J'ai pas eu le temps pour le truc. Et quand est-ce qu'il va attaquer? Je sais plus quand est-ce qu'il attaque. Est-ce qu'il faut attendre une minute ou deux? Donc on va profiter vu que on a pas mal de points jaunes ici. Donc il y a des monstres importants. Pour se faire un petit peu des KO. Mais bon, 103! Parfait ça! Voilà, donc ça je m'en doutais. On va y aller, ne vous inquiétez pas. Juste éliminer lui. Cette âme. C'est bon. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est stressant quand même, hein. Oh là là, hein. On est déjà à 8 minutes. On est déjà à 8 minutes. Ouais, d'accord. Oh, on est déjà à 8 minutes quoi. Merci. Tech. Ok, le Dark Knight est mort. Maintenant, nous on va descendre, on va sauver notre fort en bas. Et ensuite, ben, on va prendre notre fort et on va aller en direction d'Agaita. Hein. Par contre, on le fera pas en 12 minutes, hein, je vous le dis. Bah, on fera pas en 12 minutes. Hein. À part c'est Agaita, on a vraiment la défense bien comme il faut, mais je commence à douter. Hein. Après, on est à 1700, donc essayer d'avoir les 2000, ça pourrait être cool aussi, mais... Et là, c'est juste des captains de raid, en fait. J'ai perdu mon temps pour rien, super. Super, super. Ah là. 1800. Allez, le boss du fort. Parfait. Allez, venez, venez tous. Faut des KO. Au moins 2000, ça serait bien. Alors, on peut faire les 2000 avec tout ça qu'il y a. Avec tout ce qu'il y a. Tac. On est déjà à 10 minutes. Voilà. Allez. Je sais, le capitaine Diriel est en difficulté. Merci. Et Agaita, elle est là. Bon bah je pense qu'honnêtement on peut y arriver. Pour l'aura. Concrètement on peut y arriver. Enfin, c'est sûr qu'on y arrivera. C'est sûr qu'on y arrivera. Oh, princesse du royaume des insectes, Magaon. Allez Magaon. Ah par contre on la défonce pas autant hein. Je pensais, je me suis dit élément lumière peut-être, mais non même pas en fait. Allez. Tech. Elle est mid-life, d'accord. D'accord. Ok, c'est bon. Elle décède. Et voilà. Donc nous avons notre Scutulador et nous avons du coup le rang A normalement. Bah du coup dans l'épisode prochain on refera cette case hein. Pour avoir du coup la prochaine, si tu l'adores. Bah elle aurait été easy. Bon par contre on va changer le costume dans l'épisode prochain.
Bien, bah écoutez, du coup, voilà, de rang A, enfin, oui, nous avons de rang A, évidemment. Ça, c'est parfait. Ok. 14 100 rubis, 1100 rubis, 6 100 rubis, 7 200 rubis, 6 100 rubis, et 7 300 rubis avec une panier de macarons, deux colis d'âme, et une pièce d'armure de Dark Tint avec une bonne graine Pégase, une graine Pégase et trois eaux de source. Et l'illustration, oui, on complète en bas, bien. Plus que 3. Vous avez libéré le pouvoir de l'oiseau de pierre sur cette carte. Bah écoutez, tant mieux. Donc on va quand même aller voir, vu qu'on a un peu de temps, voir si est-ce qu'on peut faire des choses avec nos badges, déjà. Est-ce qu'on peut faire quelques bricoles? Non, pas ici. Est-ce qu'on peut faire quelques bricoles là? Non, je n'ai pas l'impression, malheureusement. Et là? Ah oui, avec Impa. Donc, fouet 2 augmente beaucoup le temps de surpuissance du grappin. C'est alors qu'un 2 barrettes de lana sur 185 et 2 lanternes d'âme sur 2 et 2000 rubis. Fouet 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui! Le badge fouet 2 a été créé. Putain, je crois plus qu'un. Ouais, plus qu'un pour qu'on soit 100% avec Impa. Plus qu'un seul. Ok. Et je crois qu'on a. Nous n'avons plus rien. Merci. Ben écoutez. Du coup, ben, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera ben, pour l'épisode prochain dans lequel ben, on refera, les amis, cette case pour obtenir du coup notre seconde, ce que tu l'adores, voilà, donc de cette case-là. Je suis un petit peu inquiet pour l'unique et bonne raison que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes objets qui respawn. Vraiment, il y a que des, il y a une bombe. On n'a pas de masque Zora, sachant qu'il nous en manque quand même une. Donc, j'espère quand même qu'on aura minimum un truc. Mais bon, voilà, on n'y est pas encore. Hein, mais ouais, j'aimerais bien quand même avoir minimum notre truc. Et du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!